Donc aujourd'hui, on va réaliser un saumon cuit en basse température, crème de panais, vinaigrette aux agrumes, salade d'herbes fraîches. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac économique et social à la base. J'ai fait un BTS hôtellerie et restauration. Et à la fin de ce BTS, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment la cuisine pure que je voulais faire. Donc là, je me suis dirigé vers une école de cuisine, Ferrandi, l'école supérieure de cuisine française. Après la fin de mes études à Ferrandi, je suis entré dans une première maison. Ça, c'était un peu ma maison coup de cœur, c'était le Drouan. C'était une cuisine un peu à l'ancienne, mais des vraies valeurs culinaires, des vraies valeurs humaines, avec un de mes chefs, Jean-Pierre Payret, qui est un petit peu un de mes mentors. J'ai travaillé à la Fleur de Sel également à Brest, qui faisait partie d'un groupement, les Fous de France d'Alain Ducasse. J'ai travaillé à l'Hôtel du Palais à Biarritz, même chose, avec un meilleur ouvrier de France, Jean-Marie Gauthier. Là, le jus, je vais réduire presque à sec. Je remplace le vinaigre par la réduction d'agrumes en fin de compte. Moi, je suis super heureux aujourd'hui. Moi, je suis très content d'être à l'atelier des chefs. Moi, j'aime bien partager, j'aime bien discuter avec les gens. L'atelier des chefs me permet d'allier les deux. Continuer de faire le métier que j'aime, la cuisine. Et d'allier le côté relations humaines, contact humain, échange. Ça nous a pris une demi-heure à peu près pour réaliser un plat, peu de manipulation, peu de travail. Donc c'est amener les gens et vraiment démystifier la cuisine. Et projet pour 2011, éventuellement participer à Top Chef. J'en ai parlé un petit peu avec des collègues autour de moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir du mieux que vous pouvez. Ça n'en sera que le bienvenu pour moi. Merci d'avance.